Lettre du 24 novembre 1912, pièce jointe. Première pièce jointe, probablement avec le premier feuillet. Du fait d'une malice particulière et pour me distinguer devant mon amoureuse par ma malice, je vais envoyer chaque feuillet de cette lettre du dimanche, il y en a cinq, dans une enveloppe séparée. C'est à cause de la poste qui nous poursuit, mais qui ne pourra quand même pas perdre toutes ses lettres, même si elles ne peuvent pas, parce que c'est dimanche, être envoyées en recommandé. Toutefois, le risque sera de nouveau plus élevé avec cette méthode que l'une ou l'autre, que l'un ou l'autre feuillet se perde. Mais je fais ce que je peux et ne voudrais pas faire état de mes autres craintes et attirer ainsi le danger. Deuxième annexe. Mercredi, ma chérie, tu n'auras vraisemblablement pas de lettre de moi, plutôt une carte postale, mais peut-être à ton domicile pour que ta petite dame ne soit pas aux aguets. Je t'en prie, dis-moi très précisément si tu te sens bien. Ces maux de tête, ces pleurs, cette nervosité, ma chérie, je t'en prie moult fois, dors comme il faut, va te promener, et si en lisant ma lettre, tu vois poindre une contrariété quelconque que j'ai par imprudence omis de supprimer, déchire sans ménagement cette lettre, mais calmement, calmement. Cette lettre n'a aucune importance, je t'en écrirai 10 pour une, et si les 10 tu les déchires, je t'en écrirai 100. Pour les remplacer, ton Franz. Peut-être ferais-tu mieux d'aller dans un sanatorium durant l'été. Prochainement, je te décrirai de façon très attrayante la vie qu'on y mène. Troisième annexe. Dis-moi, as-tu pensé à regarder, voir si les Juifs jouent à Berlin? Je crois que c'est le cas. Je n'ai malheureusement pas encore répondu à l'oui. Rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui par rapport à ce que je t'ai écrit dans ma première lettre, à savoir que je ne suis pas un épistolier ponctuel. L'almanach paraît au plus tôt en février. Mon livre paraîtra le mois prochain ou en janvier. Tu auras les deux, bien sûr, juste après la parution. Dans le Flaubert, je n'ai à dessein rien écrit. C'est un livre dans lequel aucune écriture étrangère n'a sa place. D'autant que je ne sais même pas si je suis en état de t'écrire encore quelque chose qui puisse se montrer à la face du monde. À toi.